On se levait le matin pour aller les regarder jouer. Lui, Mamadou Sarr, Barat Dian, Pap Sey de Oumar Sey Mbeke, Diop Aïdara Didraï. Ils jouaient ensemble à la Renaissance Gendarienne, qui était presque une filiale de la Saint-Louisienne. Parce que tous ceux qui jouaient à la jeunesse Gendarienne avaient un penchant, les uns pour la Saint-Louisienne, les autres pour l'espoir de ça. Mon passage depuis Saint-Louis à ce jour à Dakar. C'est assez lointain, c'était assez carabiné, mais ça s'est bien terminé. J'ai commencé le sport dès le jeune âge, l'année scolaire, j'étais encore élève. J'habite le bord de mer à Guette-Ndar, où on fait du sport tout le temps, soit le sport nautique ou le sport sur terrain. C'est là où j'ai pris le goût du sport. Et il y a des personnes importantes au niveau de la ville de Saint-Louis qui nous ont initiés gratuitement pour nous amener au niveau où nous sommes actuellement. Enfin, ils m'ont fait aimer tous les sports de terrain, les sports de balle. Figurez-vous que j'ai joué au football comme tout le monde, j'ai joué au volleyball, j'ai nagé, j'ai fait la petite. Yeah.
Il possédait un plus que je ne comprenais pas. Plus tard, j'ai compris ce qu'il avait de plus. Je le regardais jouer au football, alors que Mamoudou Sarr était aussi un brillant athlète. Ma carrière a commencé avec les scolaires. J'ai fait des championnats au Sénégal, des championnats d'Aouef d'alors, en tant que scolaire. Et j'ai eu la chance d'avoir été champion et recordman d'Aouef de 1000 mètres cadets. Ma foi, j'étais encore élève au lycée Blanceau. Il a été sélectionné aussi dans l'équipe du Sénégal des Jeux Olympiques, je crois, de Tokyo. Très tôt, il avait excellé dans ce domaine, Mamoudou Sarr. Et quand j'ai vu qu'il était aussi athlète, j'ai compris ce qu'il avait de plus par rapport à ses adversaires dont il avait la charge de veiller sur eux. Avec l'âge, on nous a forcé à aller à l'armée, parce que l'armée était obligatoire, mais étant donné qu'il y a eu des grèves à Saint-Louis, on nous a obligés, on nous a incorporé tout fiche dans l'armée, et ils nous ont menés à Tcharoy. C'est là-bas où nous avons fait notre passage au niveau du sport également. Avec l'armée, qui a fait beaucoup, beaucoup de compétitions. De ma foi, c'est là où j'ai découvert l'agenda de Dakar. Parce que même avant de venir, les anciens de Saint-Louis, les anciens footballeurs de Saint-Louis m'avaient guidé pour me dire si tu es allé à Dakar, nulle part, j'ai trouvé des personnes extraordinaires. Figurez-vous, depuis 1959 à ce jour, je n'ai pas quitté ce club, sauf pendant un moment où j'ai quitté pour aller à la soie obligation. Sinon, j'allais demeurer encore de façon indéfinie à la jeunesse. Mais j'ai eu une interruption à cause de la création de l'ASFA. Et à ma sortie de l'armée, en 1994, je suis retourné encore à la jeunesse. Je suis latéral, teigneux, très engagé, très déterminé. Par la suite, il a eu accompagné la jeunesse dans plusieurs des tâches de redressement. Bon, j'ai eu la chance d'avoir été international en athlétisme et au volleyball. Ça va surprendre beaucoup de personnes. J'ai joué à Gorée en ce moment, la Gendarme qui n'avait pas d'équipe de volleyball. Et j'ai gagné 4 fois l'équipe de champion du Sénégal avec Bess Gorée. J'ai été international de volleyball. J'ai eu à faire les Jeux africains de 65 à Brazzaville au volleyball avec l'équipe nationale en même temps en athlétisme. Et au passage, j'ai eu 2 médailles d'or en athlétisme en 63 à Dakar et en 65 à Brazzaville. M'oblige et l'armée m'a amené faire des stages en France. J'ai eu à faire le stage d'éducation physique sportive, j'ai fait les grands crêpes de France, où je suis sorti avec le diplôme d'entraîneur et le diplôme d'enseignant d'éducation physique. J'ai 3 ans d'éducation physique sportive et je suis sorti avec la licence sportive. Mais avec l'armée, j'ai fait mon boulot de soldat. Entre-temps, mon passage dans l'armée, j'ai été jeune soldat, j'ai fait tous les stages militaires pour sortir au grade d'officier. J'ai
j'ai fait la campagne de l'ONU, déjà en 61 avec le bataillon du Mali, j'étais au Congo, après j'ai fait le Sunil au Liban et j'ai fait le Sud quasiment. Ouais, c'est pas ça que je l'ai fait dans l'armée. Alors, capitaine Mamadou Sarr, armée sénégalaise d'Afko honoré mercredi au camp Diadio. Kinon, les commandements de l'armée ont décidé de donner le nom du capitaine Mamadou Sarr à une salle de sport de dernière génération construite au camp Diadio. Le capitaine Sarr est en effet une figure emblématique du sport militaire comme athlète et comme footballeur. Capitaine Sarr a été 9 fois champion du Sénégal du 400 mètres. Il est aussi international. Il a connu plusieurs Olympiades sous le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. La salle des sports qui porte désormais son nom au camp Diadio vient s'ajouter aux nouvelles installations sportives mises en place par l'armée au camp Diadio. Mamadou Sarr, footballeur aussi, à la jeunesse guendarienne des années 1950, avec Mide Diop, avec Papsey Mbeite, avec Aïdara Diop Tidraï, avec Barat Dian. Mamadou Sarr, une fois à Dakar, a joué à la gendarme de Dakar. Avec Domingo Mendy, Alexandre Diadio, Yeli, Adrien Lopi, Mendes, Henri Diop, Jean Sarr, Pierre Sec et François Diatta. Mamadou Sarr a été pendant longtemps le préparateur physique à la Jeanne d'Arc, mais aussi en équipe nationale du Sénégal. Nous avons un personnel, qui est un charmant militaire, capitaine Mamadou Sarr. Qui militaire, il est un décoré. Il est un décoré, il est un parce que c'est un homme. Lañu dippé sal fi ci kandjal djou kudé ko distinction bi nak pour am ka da ngay liggéey bay nuru chiffon mom le capitaine Mamadou Sarr def dans l'armée def ko dans le civil. Il a été le latéral gauche de la gendarmerie des années 50. Mom capitaine Mamadou Sarr. Gor gui mom luñ ko xamal dafa bari dañ ko leene wax bi lu jeex mak la ta mak mu bax la mak mu meuna bolé ay nit mu problème amé ta mak la bo xamné tamit bu meuna motivé ay doom la no père capitaine Sarr, on peut dire que Libé sur lui parce que c'est un éducateur d'abord, c'est un père de famille, c'est un rassembleur. Mané capi ku bax la hmm mané mom dañu yam da Omar Seck ba tay mané mom ñu gis dia lu nekk mi ngi koy dem dia bu taxawé physiquement da ngay gis dia bu taxaw ndax da koy liggéey normal comment va toi nañ def par capi mom exemple mom suñu papa la non ça va suñu préparateur physique la ya lepp la suñu conseil par capi mom machallah mention spéciale man motax bu ni performance ak année parce que mom ouais il fait un travail formidable quoi vraiment parce que bu fekke dana joxante dana joxe heure d'entraînement 8h nga ñew ak 7h nga fekk ka ci terrain bi lolu mom defé na kumu yew dara do la yé da nga xol ko muy mag am plus de 80 ans yow nga nek xalé defé na bidanti wala di tag waxatu la parce que mom il est constamment là à l'heure. Ni pa bo xamna la il a plus de 80 ans and ak ñun nek jox ñu comme ay moromam lepp mu wara def da koy def suñu mu wat bu ci xulo du ci xex so defé lén bo da nga jall mu délo ci la. Moi je l'ai connu en tant que footballeur quand j'ai joué à Wakam. Il était venu avec Lamine Dien comme préparateur physique. C'était en tant que footballeur Wakam Réseau en 1994. Depuis lors, il est toujours le même. Il ne change pas. Discipliné comme monsieur, discipliné comme père de famille. Bon, c'est pourquoi s'il est avec les gamins, tout le monde est obligé d'être comme lui. Parce que nous ne devons pas dire du football. Père Capi, Machallah. Té day entraîner xalé normalement physiquement préparer mentalement té lolou dafa yagul
am mag bo xamne amna 80 ans ñew ci équipe djel ay do ay setam def nañ ko ay domam limu yene dom mom lañu yene ñun ñep ci barki Seydina Mohamed goor gi mom amul len luñ koy wax ñun mom suñu équipe musul joy physique ndax kap dañu travail bu baax bu dur da ngay dem mom jibi yow sax saxel day dal ci pat kat mag mu ton won mom moromum yep ñu tok ci taf yi mom nga gis ko ci terrain moy entraîner équipe bo xamni sa ñu ton Niger da ngay gëpp gën gis ni équipe bi day taxaw physiquement kap mom ku baax wax deug yalla nak mu nekk tamit ku professionnel ci ligéyam bolewul dara ak tiaxan bolewul dara ak kaf bu wesso ligéy bi dal bu jexé ba paré nak ah nitu jamm la elé amna jamm ak ñepp vraiment da nga la némé ko dem bu dul peur bo xamni da ngeen ligéy da nga tok di la wax téléphone ci lo nek naka jabot yi des fois tam ñew ba sa keuf set ci la duggu ñu ci terre ba am problème physique wala am problème am pépé physique wala genre ñu koy ñaanal guddu fan ak yow jaram yalla bay ko fi ba ci kanam ñu féké suñu jëri loolu lañ koy ñaanal da yag na fi limi ligéy kenn du ko yaaxal mo moy bu waré xulo day xulo bu waré wax jamm day wax jamm té bëggul kenn mer daf ñu japp ñu ñëpp comme ay doomam té équipe bi mom lepp lu ci lu wara bax ci équipe bi rek mom da koy def ñu def lu mu safan mu lu wara bax rek lay def ci équipe bi inshallah mom mag ñu ñu ñëw ñu dalam ñu yaatal ñu ligéy bu extraordinaire dañ ñu jéx ci mom légui mom ligéy mom dañ ko dem ba très bien jéx ma sha Allah pa mom ba chaque fois ande son papa jël na ñak son papa mais quand je le vois c'est comme si j'ai mon père devant moi de bobolé ñi ñi encadré l'essentiel dal moy jandal ñu bu dugg mu yag ni dafa yag inshallah rabbi yarabbi wa ñu ñu xam ci per cap mom moy travail bi on lañu solo trop parce que dina ci yek ci nu bop tamit quoi mention spéciale tamit am mom tamit di ñaan yalla dal lepp liggéey bu muy defal yalla may ñu katan ak wër bu muy may ba ñu agali ko yalla defal ñu jamm yeen nit de inshallah rabbi merci beaucoup setan ko ñu ko yalla gaaw yow jamm ñu ant ak yag ci ñi a ñu jappalé té goor gi dafa bolé ñëpp tour lé ñëpp la bolé man dal dama koy sant diko gëreum diko ñaanal yalla yalla ko yalla may wër ak wër waaw ko tuddu fan wër wax deug yalla mu gungenu ba ci kanam ba ci ya tel lu wat fa nga xamni fa la joggé won waaw ana wo am lo xamni mo mën ta ñak bu ñak dem fék na wala mom dal mënu ñu wax luddul ma sha Allah di ñaan yalla mu bay ko fi lool mu yagg ba métier bi vraiment mu formé ci ay capitaine sa yu dul jeex parce que xel bi rafet na xam xam baang fi te walama yene nako ñepp dal ñun dal duñu def luddul ñaanal ko mu guddu fan and ak wër et puis ku ngeen ni ba ci kanam ci li ñu bëgg ni ci ñu ñu yobbu ko premier division inshallah en passant par deuxième division année bi ñu koy jaajeufal dal diko ñaanal que liñ koy sargal ni lu jotté def ko mérité appelé on me dit que le président de la République m'a honoré et m'a mérité au grade de grand commandeur de l'ordre du mérite. De ma part, c'est une satisfaction, une... En tout cas, perle le bocham, les rames au fond du camp. Je me certains murmures, notamment ma famille sportive et ma famille biologique. Aucun accord qui peut que nous sommes jamais, même pour nous sommes jamais sur parce que si nous on aurait avec, mieux pour nous voler. Nous sommes jamais de l'un de l'un de ma foi, rien n'est du final de la guerre, c'est mon tour de l'un. Bon, beaucoup, de ma foi, il y a même des mieux. Sur nos premières décorations à la Gendrac, c'était là, il y a l'un de nous continuer jusqu'à la mesure. Voilà. Ce que j'avais à dire, je ne peux pas tout dire sur ma carrière, mais j'ai branché beaucoup de sport. Parce que comme je l'ai dit au début, je me tambalais sans dar la voix. Je me donne bien le sport pour beaucoup de choses, sans problème. Je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire. Si je n'avais pas encore 18 ans, on me dit, vous devez un Dakar, je vais signer ça. Pour le fond, je signe. Je n'ai pas regretté. C'est quelqu'un de très fidèle parce que quand il est venu à Dakar,
il a joué à la Gendarme. Et quand il revenait à Saint-Louis sous le maillot de la Gendarme pour jouer contre les équipes de Saint-Louis, il avait encore du plaisir à faire échec à ses amis d'enfance, notamment ceux-là de la Saint-Louisienne ou de l'Espoir de Saint-Louis. C'était un footballeur complet puisque athlète. L'homme Mamadou Sarr est encore plus séduisant. Voilà d'ailleurs pourquoi à la fin de sa carrière, nombreux sont les générations ou les footballeurs à la Gendarme qui l'ont sollicité pour, comme on dit, les assister sur le plan de la préparation physique et athlétique. Il fait partie de ceux dont on a besoin. Je me souviens, il a d'ailleurs aussi fait par moments des piges en équipe nationale du Sénégal pour la préparation physique et athlétique de ses joueurs. C'est un athlète complet qui mérite, comme on dit, lui aussi de figurer dans les annales. La Gendarme, la jeunesse guendarienne et l'équipe nationale du Sénégal ont profité de sa générosité de cœur et surtout de sa disponibilité. Nous lui souhaitons encore de vivre longtemps avec et parmi nous, puisqu'il est de ceux dont on aura toujours besoin dans cette opération de redressement du football sénégalais globalement et peut-être de pousser un jour l'équipe nationale du Sénégal à réaliser nos rêves, gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Sarr, que nous évoquons avec énormément de plaisir, les uns l'appellent Grand Sarr, ce n'est pas usurpé, le terme est très loin d'autres péjoratifs. Moi je l'appelle Mamadou comme on a eu à le faire à Saint-Louis, Mamadou Sarr de la jeunesse guendarienne, latéral gauche, puis de la Gendarme à Dakar, où il n'a laissé que de bons souvenirs. Actuellement, le plus important, c'est que je suis au crépuscule de ma vie, mais je continue toujours à espérer à pouvoir aider à faire quelque chose pour le club que j'ai toujours aimé, la Gendarme de Dakar. Pour ce sens, nous avons été. Une fille montant d'une manne manque, montant d'un million d'une feuille bonne. Je gère aussi son famille, ma famille personnelle, avec mon épouse et mes enfants, qui me soutiennent beaucoup, et tous mes amis, avec ce moment de l'Europe, dont M. Diaw, avec l'aide de Khamoun Moukafé, Nick Le Kochami, Amou, Amoukaï. Les gens d'Akan Rimbo, même dans le monde, disaient, estimez-moi, Moukaï de l'Ego, mais ça, l'image de mon acte de l'Ego. Donc là, à mon gros sommet de l'Union européenne, il est le mieux de l'Union européenne. Il est le mieux de l'Union européenne. Il est le mieux de l'Union européenne. Il est pour élever mon force à grade de grand croix, commandeur, l'ordre de mérite. Donc c'est le grand de l'Union européenne. Il est le mieux de l'Union européenne. Il y a un conseil que nous avons mis en Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.